Nous allons commencer par la main droite, le début du morceau. Il s'agit donc du rondo ou refrain. Troisième doigt sur le si. Vous êtes prêts? Et... tremblement. Croisé sur le fa dièse. Je redécompose juste la fin. Si la, si la, le tremblement. Croisé avec le deuxième doigt sur le fa dièse et redécroisé. La deuxième phrase qui commence ensuite, c'est la même que la première, il y a juste la fin qui change. On commence aussi en anacrouse, troisième doigt sur le si. On est à la fin de la première ligne, vous le faites avec moi et... tremblement, croisé... J'arrive à la fin de ma phrase. On refait le rondo ensemble, vous faites la main droite et j'accompagne avec la main gauche. Et... croisé. On respire. Deuxième phrase. Pour le rondo qui va donc revenir à la fin du morceau. Le couplet. Premier couplet, on part comme le début, si, do, ré en anacrouse. Vous êtes prêts? Jusqu'au pincé. C'est bon pour vous? La suite? C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on le fait ensemble et... ensuite, on va attaquer notre série de petites notes conjointes. Ré, do, si, do, ré. Comptez-les bien. Il y en a 4 et après ça change. Prêt ? 2... je descends et je remonte et je redescends et je termine avec une tierce. Je continue et c'est pareil, il y a juste la fin qui change. Et 3, 4, je descends, je remonte, je redescends et là je suis arrivée à la fin du premier couplet et de là je vais retourner au rondo, donc au début. Alors, on va reprendre ce premier couplet. Vous refaites la main droite et j'accompagne en même temps que la gauche. 1, 2. Pincé. Pincé. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à l'essayer avec les mains ensemble.